Nous allons parler. We are going to talk about. Ou alors nous allons nous exhorter. Or we are going to give ourselves advice. Sur les prières offensives. On the offensive prayers. Vous notez ceci. Write this down. Les prières offensives. Offensive prayers. Sont les prières qui concernent l'art d'attaquer l'adversaire. Are the prayers regarding the art of attacking the adversary. Une prière est dite offensive. A prayer is said to be offensive. Quand elle anticipe. When it anticipates. En attaquant l'ennemi. By attacking the enemy. Tu n'attends pas d'être attaqué. You don't wait to be attacked. C'est toi qui vas le premier. You are the one to start. Détruire les plans du diable. You go and destroy the plans of the devil. Vous notez ceci. Write this down. La prière est la principale chose que le croyant doit pratiquer. Prayer is the principal thing that a believer must practice. Parce que c'est la première chose que le Saint-Esprit enseigne aux vrais croyants. Because it is the first thing that the Holy Spirit teaches to the true believers. Dès qu'un homme ou une femme devient enfant de Dieu, as soon as a man or a lady become a child of God, le Saint-Esprit le met directement à l'école de la prière. The Holy Spirit sends him directly to the school of prayers. Il enseigne. He teaches. En leur montrant comment invoquer Dieu en tant que leur père. By showing them how to call upon God as their father. Lis Romains 8. Let us read Romans 8. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Amen. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Amen. Amen. Versets 26 et 27. Romains 8 toujours. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Amen. Amen. Le Saint-Esprit fait en sorte que la prière habite en toi. The Holy Spirit works so that prayer dwells in you. La prière habite chaque croyant. Prayer dwells in each believer. Sous une forme de soupir inexprimable. In a shape of cries. And telling Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. It's the work of the Holy Spirit. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. All those who are filled with the Holy Spirit. Portent en eux. Bear in themselves. Des soupirs inexprimables. Some mourning. And telling mourning. Ce sont les prières. There are prayers. La prière vient de Dieu lui-même. Prayer comes from God himself. Si on te dit, prie pour telle chose. If you are said, pray for such thing. Si tu es sincère. If you are sincere. Tu vas réaliser que tu ne sais pas prier. You will realize that you don't know how to pray. Parce que tu ne sais même pas ce qu'on te demande.
Because you don't even know what they are asking you. Mais c'est le Saint-Esprit. But it's the Holy Spirit. Qui entre en nous. Who enters you. Qui commence à intercéder. And start interceding. Et nous pouvons discerner dans notre esprit. And we can discern in our mind. Son activité. His works. Et de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Verset 26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. We do not know what we ought to pray for. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. But the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. Et celui qui sonde les cœurs. And connaît quelle est la pensée de l'esprit. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit. Tous les enfants de Dieu. All the children of God. Ont l'esprit de Dieu en eux. Have the Spirit of God in themselves. Et tous les enfants de Dieu. And all the children of God. Portent en eux la prière. Bear in themselves prayers. Ça fait toujours partie de ce qu'on appelle l'œuvre de la grâce de Dieu. It is still about among what we called the work of God, grace. Dieu te dit de prier. God is telling you to pray. Il met son esprit en toi. He puts his spirit in you. Et son esprit intercède. And his spirit intercedes. Si tu veux prier. If you want to pray. Si tu veux connaître la prière. If you want to know how to pray. Si tu veux apprendre la prière. If you want to learn pray, how si to tu veux pray, pratiquer la prière. If you want to practice prayers. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Look for the fullness of the Holy Spirit. Tu connais le chemin. You know the way. Tu fais de Dieu ta joie parfaite. You make from God your perfect joy. Il ne faut pas que les besoins trouble ta vie jusqu'à ce que tu deviennes idolâtre. The need should not trouble your life so that you become an idolater. La chose qui te manque. What you are missing. Qui t'amène à vouloir prier. And lead you to pray. Ne doit pas posséder ton cœur. Should not possess your heart. De telle sorte que Dieu n'a plus de place dans ta vie. So that God has no more place in your life. Ton besoin te commande. Your need surrounds you and rules over you. Tu murmures. You are murmuring. Tu blasphèmes contre Dieu. You blaspheme against God. Parce que tu n'as pas ce que tu veux. Because you don't have what you want. C'est une erreur. It's an error. Avec Dieu. With God. Il ne faut pas de chantage. Don't blackmail him. Tu te soumets. You surround to God. You submit yourself. Tu as des besoins. You have needs. Mais soumets-toi. But please submit. En quoi faisant? By doing what? En restant sous son autorité. By remaining under his rule. C'est pour cette raison qu'il a dit. This is why he said. Ne vous inquiétez de rien. Do not be worried. Faites connaître vos besoins à Dieu. Make your need known by God. Par des prières et des supplications. By prayers and by supplications. Avec des actions de grâce. With thanksgivings. J'ai remarqué que quand tu rends grâce à Dieu, I have noticed that when you give thanks to God, ton cœur est rempli, your heart is filled de consolation. With consolation, c'est with comme comfort. Si tu te déchargeais. It's like you are unloaded yourself. Parce que tu as un problème. Because you have a problem. Tu pries. You pray. Et tu rends grâce à Dieu. And you give thanks to God. Dieu aime ça. God loves that. Et c'est lui qui le demande aussi. And he is the one who is asking that. La colère. Hunger. L'agitation. Agitation. Troubles. Vont t'appauvrir spirituellement. Will make you poor spiritually. Et tu vas perdre la vie de prière. And you will lose your life of prayer. Parce que la vraie vie de prière. Because the true life of prayer. Est une activité du Saint-Esprit. Is an action of the Holy Spirit. C'est une activité du Saint-Esprit. It's an action of the Holy Spirit. Je cherchais le mot pour exprimer ça. I was looking for the word to express it. C'est comme s'il me fallait dire que la prière est un instinct spirituel. It was like I should say that prayer is a spiritual instinct. Elle vient tout seul. It comes alone. On ne la commande pas. But don't command it.
tu écris, tu es en train d'écrire là, tu es en prière. You are writing here, is you are praying. Quand on est normal. When you are normal. L'instinct normal. The normal instinct. Spirituellement parlant. Spiritually saying. C'est la prière. Is the prayer. Même les païens. Even pagans. Il faut compter le nombre de fois où le païen dit oh Dieu. You can count the times where the pagans say oh my God. Quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas. Someone can tell you that he does not believe. Après, soudain, il dit mon Dieu. But you can see him saying oh my God. C'est une prière. It's a prayer. Quelqu'un disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Someone said he did not believe in God. Il maudissait Dieu. He was cursing God. Un jour. One day. Il marchait à pied. He was walking. Et fatigué. Tired. Accablé. And surrounded by troubles. Il montait une colline. He was climbing a hill. Il s'est arrêté. Il a dit, oh mon Dieu. Lui-même était étonné qu'il était en train d'invoquer Dieu. He stood up and said, oh my God. He was himself surprised. Dis, la prière habite en moi. The prayer is in me. La prière habite en moi. The prayer lives in me. Mais la vraie prière. But the true prayer. Est celle que produit le Saint-Esprit. Is the one produced by the Holy Spirit. Il y a des prières que les émotions produisent. There are prayers that your emotion can produce. Il y a la prière que le Saint-Esprit produit. And there are the prayers that the Holy Spirit produces. Si quelqu'un entend maintenant. If someone here right now, bam. Il y aura des prières dans cette salle. They will have. Nous étions dans prayers un, on allait au Cameroun, on avait pris un vol d'Abidjan. Je ne dis pas la compagnie, il risque de se fâcher. We were traveling to Cameroon. We took a fly from Abidjan. Ça a bougé un peu là. It was. It c'est just. C'est là où tu découvres la religion de chacun. It's at that time that you discover the religions of each one. Il y avait one. Des femmes nigérianes. Ils ont parlé en langue avec ça. Nigerian ladies, they spoke in the tongues. Moi-même, j'ai prié dans le cœur. Myself, I prayed in my heart. Non, la prière habite en nous, frère. Brother, the prayer lives in us. La prière habite en nous. The prayer lives in us. Ce que nous apprenons ce soir. What we are understanding c'est today. Que les sages prient. The wise people pray. Longtemps avant le danger. Very long before the danger. C'est ce que le frère a dit qu'il faut bâtir une haie. This is what. The brother Zach said we should build une muraille, une clôture, a wall de protection. Of protection. Tu anticipes, tu devances le malin. You go before your enemy. Et c'est ça qui manque à beaucoup de frères. And this is what is lacking in many brothers' life. Je veux dire que c'est ça qui nous manque. I just want to say that this is what is lacking in our lives. Et c'est ce que Dieu veut que nous apprenions. And it is what God wants us to learn. Des gens qui prophétisent. People who prophesize. Par la qualité et le type de prière. By the quality and the type of prayers. Il faut pas que l'ennemi te surprenne. The enemy should not surprise you. C'est toi qui dois le surprendre. You are the one who must surprise him. C'est une guerre. It's a war. Nous sommes quand tu donnes ta vie à Jésus. When you give your life to Jesus. Tu es déjà engagé. You are already engaged. Dans un conflit. In a conflict. Avec les forces du mal. With the evil strengths. Les prières offensives permettent aux croyants de détruire les plans du diable. The offensive prayers allow the believer to destroy the plans of the devil. Afin que celui-ci ne puisse pas se lever pour entreprendre quoi que ce soit. So that this one should not be able to stand up and enterprise anything. Afin que le diable ne puisse pas se lever should not be able to stand pour entreprendre quoi que ce soit. And start something. Lis pour nous Marc chapitre 14 verset 38. Read for us Mark chapter 14, verse 38. Veillez et priez
afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Amen. Oui, il y a un témoignage. Gloire à Jésus-Christ. We have a testimony. Et j'ai un témoignage à propos. À l'époque, je n'avais pas eu d'enseignement là-dessus, mais de manière intuitive, il y a ce que le Seigneur lui-même nous enseigne. Et en 2004, j'avais été affecté à mon premier poste à Adzopé. Et comme notre œuvre n'était pas implantée, il fallait que je coopère avec Dieu pour implanter notre œuvre dans cette ville-là. Et je précise que j'étais le seul frère de la ville. Donc, j'avais été recommandé comme missionnaire là-bas. J'étais même le dirigeant de l'Agnébi. Et quand je suis parti, j'ai commencé par un jeûne partiel de 40 jours. Et je veillais toutes les nuits, je priais pour prendre possession d'Azopé et de toute la région pour Christ. Et au 26e jour du jeûne, l'ancien Douassaï, avec qui j'étais toujours en contact, m'avait appelé pour me demander de rompre mon jeûne parce que le dimanche, je crois le lundi, qui suivait, nous étions à un samedi, toutes les églises de Côte d'Ivoire devaient entrer dans un jeûne complet de 40 jours. Et donc, à midi, j'ai arrêté le jeûne et pendant que j'étais en train de rompre avec mon quaker, Dieu m'a parlé ce jour-là de comment il allait prendre soin de moi par rapport à mes déplacements et comment il allait prendre soin de moi par rapport à mon mariage. Ce n'était pas l'ordre du jour, mais Dieu est souverain. Gloire à Jésus. Et les jours qui ont suivi, il y avait eu qu'un enseignement à Abidjan, à Williamsville. À l'époque, c'était à Williamsville. Et nous avons invité, parce qu'il y avait un frère rétrograde d'une ville de l'intérieur qui était allé à Zopé, dans le dernier village avant Zopé. Il y a une grande école d'agronomie là-bas, Miadzin. Donc, elle les fréquentait là-bas. J'étais allé pour restaurer ce frère rétrograde afin que lui et moi, on puisse gagner les autres. Et on a invité donc l'une de ses, camarades étudiantes au week-end d'enseignement sur Abidjan. Nous sommes donc tous venus sur Abidjan. Et quand, comme nous sommes au travail, nous on travaille le dimanche, nous sommes entrés sur Adzopé. Elle est restée faire quelques jours sur Abidjan et elle est rentrée. En allant, en principe, elle devait descendre à Miadzin, puisque ce village est avant Zopé. Mais que non, elle allait jusqu'à Zopé avec ses bagages dans mon bureau. Et nouvelle, elle me dit qu'elle vient rester chez moi, avec moi, alléluia, pendant quelques jours pour que je puisse bien lui enseigner la parole de Dieu. C'est ça. Jésus-Christ. Jesus Christ. Frère, mon cœur battait comme ça. J'ai dit, je me suis foutu. Qu'est-ce qui se passe? Et à l'époque, on descendait à 18h. Donc, tout ce temps, je réfléchissais et je priais. Comment je vais faire? Et à 18h, nous avons pris un taxi. Quand nous pas. On venait parce que moi j'étais au TP, c'est-à-dire le premier quartier de la ville, en partant d'Abidjan. Et au centre-ville, il y a la gare de Miadzin. J'ai demandé à la voiture, enfin le Seigneur m'a inspiré de stationner pour que je puisse la mettre dans un taxi, une voiture de Miadzin, pour qu'elle entre chez elle. Je lui ai dit, les samedis, on ne travaille pas. Samedi, tu viens à 9h.
De 9h jusqu'à 15h, on peut beaucoup travailler et puis tu vas rentrer. Je pense que si on fait un programme comme ça les samedis, on peut avancer. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée sur Miadzin et je ne l'ai plus jamais revue jusqu'à aujourd'hui. Alors, acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. J'ai compris que c'était pour étouffer l'œuvre dans l'œuf afin que ça ne voit jamais le jour. Mais le Seigneur m'a accordé d'être proactif, d'anticiper et il m'a donné la victoire. Aujourd'hui, l'œuvre d'Azopé est ce qu'elle est. Que la gloire revienne au Seigneur. Non, non. Alléluia. En fait, quand nous avons implanté, et moi je suis revenu sur Abidjan en janvier 2009. Mais déjà, nous avons, à cette époque, nous avions deux assemblées à Adzopéville et nous avons implanté également à Akoupé, le même jour où on a implanté la deuxième assemblée d'Adzopé. Et actuellement, ils sont plus de 1000 frères Jésus à Adzopé, plus de 500 à Akoupé. Merci. Thank Sois béni, Seigneur. Sois béni parce qu'il n'en sera pas autrement, Seigneur. Ça ne sera pas autrement, Seigneur. C'est le chemin. Seigneur, notre Dieu, la vraie prière habite le croyant. Et l'instinct spirituel, c'est la prière. Et à moins de dévancer les temps, de dévancer les situations, de dévancer les circonstances, de dévancer les événements, à moins de dévancer l'adversaire, Seigneur, à moins de le faire, Seigneur, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de réussite. Oh Seigneur, je prie cette nuit, pendant que tu nous ramènes, Seigneur, accorde-nous la grâce de décider, de dévancer, d'attaquer, de ne pas rester, Seigneur, à la défensive. Oh Seigneur, je prie pour moi, je prie pour mes frères, je prie, Seigneur, oh Dieu, que nos oreilles qui ont entendu ces choses, Seigneur, soient révoltées. Oh Seigneur, et que toutes les attaques, oh Seigneur, endormies en nous, soient manifestées. Oh Seigneur, afin que le diable, Seigneur, oh, soit écrasé et maintenu dans la défaite. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, la nécessité de nous tenir à la brèche, oh Seigneur, et d'enclencher le combat et de prendre l'autorité, de jouer dans le camp de l'ennemi jusqu'à l'écraser. Seigneur, c'est possible. C'est possible. Seigneur, nous bannissons la paresse. Nous jugeons la passivité. Nous refusons, Seigneur, de subir les assauts de l'ennemi. Seigneur, nous allons nous lever comme un peuple pour prier, Seigneur, pour entrer dans notre héritage, pour prier pour l'Église, pour prier pour la nation. Oh, Seigneur, écraser la colère de l'ennemi avant qu'elle ne se déclenche. Seigneur, nous prions. Qu'aujourd'hui, nos cœurs soient ouverts, nos pensées ouvertes, pour accepter d'être des hommes, des femmes qui combattent, oh Seigneur, avant même de voir la chose se faire. Seigneur, donne-nous de prendre des devants, oh, d'être des courageux, des conquérants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus dit, so Jesus says, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jesus says,
Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Quand le danger arrive, when the danger is coming, comme Jésus a annoncé les choses qui vont arriver sur la terre, as Jesus has announced things that will happen on earth, les persécutions, persecutions, les catastrophes, catastrophes, et tout le mal, tous les malheurs, les guerres, les inondations, the incident, the wars. Que faire? What should we do? Pour rester debout. To remain up. Il faut prier avant que ça n'arrive. We must pray before they happens. L'arrestation de Jésus allait entraîner beaucoup de souffrances. The resurrection of Jesus would lead lot of sufferings. Jésus allait être crucifié. Jesus was about to be crucified. Il allait mourir à la croix. He would die at the cross. Ses disciples allaient être saisis. His disciples would be arrested. Et ils pouvaient être tués. And could be killed. Mais Jésus dit, but Jesus says, il faut prier. You must pray. Parce que la tentation arrive. Because temptation is coming. Si vous ne voulez pas tomber dans cette tentation, if you don't want to fall into it, il y a un seul remède. There is only one remedy. Veillez et priez. Pray and watch out. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Il faut veiller et prier. You must watch out and le pray. Matin, par exemple, in the morning, for instance, tu couvres ta journée. Tu couvres tes activités. You cover your day, you cover your activities. Tu détruis les plans de Satan contre toi pendant la journée. You destroy all the plans of Satan against you during the day. Au début d'une année, at the start of a year, tu protèges toute l'année. You protect the full year. Tu protèges toute chose qui t'appartient. You protect all that belong to you. Le frère Zach dit que s'il y a un projet, Brother Zach says that if there is a project, il y a le diable, le plan du diable contre ce projet. There is therefore the plan of the devil against that project. Tu dois effectuer un voyage. You must go on a trip. Il y a les plans du diable contre ce voyage. There are the plans of the devil against this travel. Surtout, mainly, pour nous les enfants de Dieu. For us, children tous of God, ceux qui travaillent pour la gloire de Dieu, all those who work for the glory of God, ont pour adversaire principal le diable. As main adversary, the devil. Il peut utiliser beaucoup de choses. He can use many things. Mais c'est lui. But it is him. Il peut utiliser les hommes. He can use men. Il peut utiliser les animaux. He can use animals. Il peut utiliser les phénomènes naturels. He can use natural phenomena. Il peut utiliser les démons. He can use demons. Il peut utiliser les principautés. He can use principalities. Il peut utiliser les trônes. He can use thrones. Les dignités. Dignity. Les puissances. Powers. Les dominations. Dominations. Etc. And so on. C'est le diable. But it is the devil. Vous notez ceci. Rajizan. Jésus a enseigné, Jesus has taught, qu'à la fin des temps, that at the end of the times, il y aurait des phénomènes affreux sur la terre. They will have very hard phenomena on earth. Il y aura une grande dépravation. They will have a great depravation. Une grande corruption morale. A great corruption, moral corruption. Il y aura des abandons de la foi. There will have people who will abandon faith. Le seul remède, the only medicine, c'est la prière offensive. Is the offensive prayer. Luke chapter 21. Verset 34 à 36. Verse 34 to 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout
devant le Fils de l'homme. Amen. Be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life, and that day will come close on you suddenly like a trap. For it will come on all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch, and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. Amen. Jesus nous enseigne ici is teaching us here qu'il faut exercer son esprit, that you must walk your mind, exercer son cœur, walk your heart, à rester éveillé, to remain awake, alert, to be awakened. Faut pas dormir. Ce monde n'est pas le monde où tu dois dormir. Do not sleep. This world is not a world in which you must sleep. Il dit veillez et priez. But he says be on the watch. Avant de dire veillez et priez. Écoutez le conseil qu'il donne avant de dire veillez et priez. Listen to his advice. Il dit prenez garde à vous-même. Be careful. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par des excès du manger et du boire. Or your heart will be weighed down with carousing, drunkenness. Et par les soucis de la vie. And the anxieties of life. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. And that day will close on you suddenly like a trap. Il y a des choses qui alourdissent les hommes. There are things that weigh down people. Il y a les excès de table. Il y a la gloutonnerie. There is carousing, excess of eating. Il y a l'ivrognerie. There is drunkenness. Il y a les soucis de la vie. And there are the anxieties of life. Quelqu'un peut garder les soucis dans son cœur. Someone can keep the worries in his heart. Le résultat des soucis dans un cœur, c'est l'épuisement. The result of the anxieties in a heart is to get tired. Quels que soient tes besoins, whatever your needs, dépose-les aux pieds de Jésus de Nazareth. Put them down to the feet of Jesus of Nazareth. Ceux qui portent leurs besoins dans leur cœur et se promènent, those who bear the needs in their heart and wander, finissent par devenir lourds. End up in becoming weighed, loaded. Comme s'ils avaient bu. And there are like people who have drunken. Et comme s'ils avaient commis la gloutonnerie. And it was like They have excess of eating. Vous voyez la classe. Jésus dit les soucis de la vie, l'ivrognerie, les excès de table. You see the range. Jesus said the carousing, the drunkenness, and the anxieties of life. Pour prier, des prières offensives. To be able to pray offensive prayers. Il faut se débarrasser des fardeaux. You must get rid of burdens. Il faut se débarrasser des soucis. You must get rid of worries, anxieties. Là, tu es léger. And then you are light. Tu es éveillé. And you are awakened. Et tu peux prier. And you can pray. Donc, il faut garder son cœur, son corps, son esprit éveillé. So you must keep your heart, your mind, and your spirit awakened. La prière est donc une activité prophétique. So the prayer is therefore a prophetic activity. Notez ça très bien. Watch this carefully. La prière établit le croyant dans les desseins de Dieu et dans la pensée de Dieu. The prayer settles the believer in God's force and in God's plans. Et chaque prophétie a trois temps. Each prophecy has three times. Il y a le temps passé. There is the past time. Il y a le temps présent. There is the present time. Il y a le temps à venir. And the future time. Il y a des prophéties qui parlent de ce qui s'est passé. There are prophecies which are about what happened. Il y a des prophéties qui parlent de ce qui est en train de se passer. There are prophecies which are about what is being done. Il y a des prophéties qui parlent de ce qui va se passer. And there are prophecies which speaks about what is coming. Les prières offensives agissent sous le registre des prières, des choses qui doivent se passer. And offensive prayers work on what is to come. Les plans que le diable a conçus pour l'avenir. The plans that the devil has done for the future.
et que le Saint-Esprit nous a révélé. And that the Holy Spirit has revealed to us. Frère, le Saint-Esprit révèle les plans du diable. Brother, let me tell you that the Holy Spirit reveals the plans of the devil. Il les expose. He exposes them. Pour que l'Église prenne le temps de les détruire. So that the church has the time to destroy all of them. Le diable ne peut pas se cacher. The devil cannot hide. Une des vrais enfants de Dieu. The true children of God. Connaîtront toujours ce que le diable veut faire. Will always know what the devil is about to do. Beaucoup. Many. Connaissent, mais ils dorment. Know it, but they are sleeping. Si tu connais. If you know it. Tu dois les détruire. You must destroy them. L'action de Satan et son armée couvre aussi les trois dimensions, le passé, le présent et le futur. The action of Satan and his army also is about the three dimensions, the past, the present and the future. Il y a des prières pour détruire tout ce que Satan a bâti dans le passé. There are prayers to destroy all that the devil has built in the past. Il y a des prières pour détruire tout ce que le diable est en train de faire dans le présent. There are prayers to destroy all that the devil is doing in the present time. Et il y a des prières pour détruire ce que le diable projette, ce qu'il veut accomplir. There are prayers to destroy all the projects of the devil. L'Église a besoin de prières défensives pour casser tout ce que le diable a fait dans le passé. The church casser, déraciner, détruire, ruiner. The church needs defensive prayers to cut, to build, to burst all that the devil has done in the past. Romains 1, verset 10. Romans 1, verset 10. Pardon, Jérémie. Jeremiah. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Amen. Il dit, regarde. He says, see. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. I appoint you over nations. Et sur les royaumes. And kingdoms. Pour que tu arraches. To uproot. Pour que tu abattes. Down, pour que tu ruines, to destroy, que tu détruises, to overthrow, pour que tu bâtisses, to build, et que tu plantes. And to plant. Nous avons l'autorité, we have authority, l'autorité nécessaire, the needed authority, pour détruire tout ce que le diable a fait. To destroy all that the devil has done. Nous en avons pour détruire ce qu'il vient de faire, we have it to destroy ou ce qu'il est en train de faire. What he has just come to do or what he's doing. Tu peux trouver une assemblée de méchants. You can find a group of wicked ones. Tu commandes. You command. Qu'elles soient dispersées. And you scatter them. Elles seront dispersées. It will be scattered. Et ce qu'ils étaient en train de planifier. And what they was planning. S'écroule. Is crashed down. Le Seigneur a donné l'autorité. The Lord has given the authority. Ne pleure pas, oh ils ont planté, oh ils ont planté, oh ils ont planté. Do not fear. Say, oh, they have already planted. They are already tu déracines. You uproot it. Ne dis, oh, ils ont bâti, ils ont bâti. Nous don't sommes say en retard. They have built, they have built. Nous ne sommes pas en retard. We are not late. Tu parles. You speak. Tu dis au nom de Jésus. You say in the name of que Jesus, cette œuvre du diable let this work of a s'écroule. Be crushed down. Et elle va s'écrouler. And it will do like it. Dieu nous a bénis. God has blessed us. Mais ce que nous étudions ce soir, but what we are studying this night, c'est un aspect de ce grand ensemble. It is an aspect of this great Dieu group. Veut que God wants us ses enfants want his children anticipe, to anticipate qu'ils devancent le mal. They must go before the evil. Qu'ils attaquent pour détruire les projets du diable. He wants them to attack and destroy the projects of the devil. Avant même qu'il ne puisse se lever pour faire quoi que ce soit. He could stand up and do anything. Cloué sur le sol. Destroyed on the spot. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Quand tu pries, si tu diriges une assemblée de maison. When you are leading a house church.
Tu protèges la foi de chaque frère. When you pray, you protect the faith of each brother. Jésus a passé toute une nuit. Jesus spent all the night. À bâtir une haie building sur la foi de Pierre. Of protection around Peter. Sur la foi de Pierre. Around the faith of Peter. Pierre avait la foi. Peter had faith. Ça, c'était pas beaucoup. Jésus l'a appelé homme de peu de foi. Pourquoi it was not much. Jesus used to call him man of little faith. Quand il avait marché sur l'eau un peu. When he walked a while on mais le waters. Peu là, le, Jésus a protégé. But the little ça. That he had, Jesus protected it. Il est le bon berger. And he is si c'est les nous là, on va gronder. Tu n'as pas la foi. Laisse-moi. If it was us, we'll just la rebuke him. You don't have faith. Pierre. The small faith of Peter, qui l'a fait marcher un peu sur l'eau, là. Which made him walk a while on the waters, on Jésus, the sea. Jésus a protégé par une grande muraille. Jesus protected by a big wall. Et Luke 22, versets 31 and 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Amen. A brother can be sick. Mais tu discernes le plan de Satan. But you can discern the plan of Satan. Tu peux discerner que le diable veut qu'il rétrograde à travers cette maladie-là. You can notice that the devil wants him to backslide through this disease. Le Seigneur peut te révéler le plan de Satan. The Lord can reveal the plan of Satan to you. Qu'il veut que ce frère perde la foi dans cette maladie. Who wants this brother to lose faith in this disease? Tu laisses même la maladie. You let aside the disease. Tu protèges sa foi. You protect the faith of the tu brother. Dis, Seigneur, you say, Lord, que le frère ne perde pas la foi. Let the brother not lose tu his faith. Tu bâtis un mur. You build a wall autour de sa foi. Around his faith. Il peut faire 10 ans de maladie. He can be sick for 10 chaque years. Jour, il est comme si le Saint-Esprit vient de l'enflammer. Every day is like the Holy Spirit has just come to inflame him. C'est ton travail. It's your work. L'enjeu n'était pas la maladie. The purpose was not the disease. Parce que même Dieu savait qu'il ne va pas mourir. Because even God knew that he mais would le, die. Mais le diable veut que même si la maladie dure une semaine, que le résultat final soit la perte de la foi. But the devil wants that even if the disease lasts for 1 week, the result should be the loss of his faith. C'est bien que quand le diable travaille, il ne regarde même pas la maladie, il accélère pour aboutir à la chute. So that when the devil is working, he's not taking care of the disease. He was just accelerating so that he must reach the loss of the faith. Il sait que si tu ne perds pas la foi, la maladie, tout ça, ce n'est rien. He knows that if you don't lose your faith, the disease is nothing. Il faut protéger longtemps avant. You must protect long before. J'ai prié pour toi. I have prayed for you. Afin que ta foi ne défaille point. So that you may not lose your faith. Tu peux dire un frère. You can tell a brother. J'ai prié pour toi. I've prayed for you. La main du Seigneur sera toujours sur toi. The hand of the Lord will always be on pourquoi? You. Tu l'as obtenu. Why? Because you obtained it. Tu l'as obtenu. You obtained it. Il faut connaître ce que le diable veut faire. You must know what the devil wants to do. Et tu l'en empêches. And you prevent him from tu doing parles, so. Tu dis Satan, tu ne feras pas ça. You speak, you say Satan, you will not do this. Parce que j'ai dit non. Because I said no. Par la puissance de Jésus-Christ. By the power of Jesus Christ. Le diable connaît Jésus. The devil knows Jesus. Ça, y a pas de doute. There is no doubt on it. Un homme a man peut te résister. Can resist you. Mais le diable but the devil connaît Jésus plus que les hommes. Knows Jesus more than others.
Tu dis, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. You say this will not happen in the name of Jesus. Ne dis jamais que nous sommes arrivés en retard. Don't say that we are greatly late. Moi-même, je croyais que dans certaines situations, nous étions en retard. Even myself, I believe that in some situations we were late. Dieu nous a envoyés. God has sent us. Pour accomplir l'œuvre qu'il a confiée à son fils. To fulfill the work he has entrusted his son. Détruire les œuvres du diable. To destroy the works of the devil. Dans le passé, le présent, le futur. In the past, the present, and the future. Ne laisse rien. Let nothing. C'est pour cette raison que nous vivons encore dans le monde. This is why we are still living on earth. Un frère échoue à un examen. A brother failed to his examinations. Ce n'est pas ça qui est important. This is not what is the Qu'est-ce most que important. Satan veut faire? What does Satan wants to do? C'est ça que tu dois détruire. This is what you must destroy. Ne sois pas là, Seigneur. Tu devais lui donner. Tu devais lui donner. Tu nous as déçus. Lord, you should have given me. You should have given me. You have disappointed us. Nous croyons en toi. We believed in you. Et tu nous laisses échouer. And you are letting us fail. Quand un vrai enfant de Dieu va venir. When a true child of God will arrive. Il va te dire, laisse faire, je veux faire. He will just tell you, just go aside. I will do Satan. It. C'est Satan. Le frère the brave a échoué. Has failed. Que le Seigneur soit loué. Let the Lord be praised. Mais toi, but you, tu n'accompliras pas ce que tu veux you faire. Won't fulfill what you Au want nom to. De Jésus. In the name of Jesus. Et Satan disparaît. And Satan disappears. L'apôtre Paul dit. Apostle Paul says, nous connaissons les desseins du diable. We know the purposes of the devil. Même deux frères qui se querellent. Even two brothers who are quarreling. Deux frères qui se querellent. Two brothers quarreling. Si tu as le discernement, if you have a discernment, tu sais que c'est le diable qui est en train de travailler. You know that it's the devil who is working. Tu les protèges. You protect them. Tu dis Seigneur. You say Lord. Qu'ils ne perdent pas l'amour fraternel. Let them lose brotherhood love. Après, tu te tournes vers Satan. And you turn on Satan. Tu dis, Satan, je sais que c'est toi. And you say, Satan, I know it's you. Les autres qui n'ont pas la sagesse. Je dis, non, ce n'est pas celle, c'est elle. Elle, c'est elle qui a commencé. Elle, j'étais là, c'est elle. She's the one who started. Tu dis, calmez-vous, ce n'est just pas... Just say, please calm down. Ce n'est ni l'un ni l'autre. It's venez. Not, neither one nor vous another. Voyez celui qui est caché là. You see, look, the one who is hidden. Son nom c'est Satan. His name is Satan. C'est lui qui a commencé. He's the Va-t'en. One who started. Go away. Il disparaît. And he disappears. Alléluia. Amen. Et les frères s'embrassent. And brothers embrace themselves. Après, les frères te disent merci. And later, the brother will tell you thank you. Les frères que vous voyez là sont très bons. Brothers, you see, are very kind. Quand ils découvrent la vérité, when they found truth, ils se répandent en actions de grâce. They just spread in thanksgivings. Tu dois ouvrir les yeux des frères. You must open the eyes of brothers. Vous-même, vous connaissez ce que Satan veut. You can yourself. You are aware of what Satan wants. Si ce n'était que le diable, if it was only the devil, on rentrerait ce soir chacun son chemin. We would go home, each one with his own way. Et je vais vous dire, écoutez un conseil. Listen to an advice. Beaucoup de frères, many brothers, n'ont pas appris à juger le diable. Have not learned to judge the devil. Ils n'ont pas appris à discerner qui leur parle. They have not learned to discern who is speaking. Ils se croient tellement spirituels. They find themselves so spiritual. Ils ne discernent pas, ils n'examinent pas l'authenticité spirituelle de ce qu'ils reçoivent dans leur esprit. They don't check, they don't test the origin of what they receive in the mind. Si tu n'es pas vigilant, if you are not vigilant, le diable va t'égarer rapidement. The devil will make you astray quickly. À travers les songes. Through the dreams. Le diable peut disperser tous ses frères-ci par quatre rêves. The devil can scatter all those brothers through four dreams. Trois. By three dreams. Un rêve ici. One dream here. Un rêve là. One dream here.
et un rêve de ce côté. Donc quatre rêves et un quatrième rêve ici. Four dreams and a dream here and a fourth that side. Au point où tu as peur de saluer ton frère, qu'il est sorcier, tu l'as vu, il avait une corne et une queue. So that et tu trembles. You were scared about greeting your brother. You saw him in a dream with a crow, a tail, sorry, and a corn. Au début de l'œuvre. At the beginning of the walk. Il y a une fille qui est venue. A girl came. Elle a des visions, plein de visions. She has lost many visions. Elle dit que son mari, c'est le frère Tio Kinyelman. And she says her husband is brother Tio Kinyelman. Et elle avait mal à la tête. And she has headache. Un mal chronique. A chronical headache. Et elle voulait, elle avait un complexe de supériorité. She has a complex of superiority. Je lui ai dit, tu vois, tu as tellement de révélations. I told her, you have so many revelations. Mais tu souffres des oppressions. But you are suffering of oppressions. Au point où on tape sur ta tête, ça devient une grave maladie. So that they beat on your head and it's become a big disease. Je voulais lui montrer que elle n'a pas le Saint-Esprit. I just wanted to show her that she has not the Holy Spirit. La Bible dit. The Bible says. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Any weapon against you will be with no effect. Quelqu'un que les sorciers menacent et on poursuit, on le frappe, on prend ses cheveux, on brûle. Et quand il se réveille, il veut qu'on croie qu'il est prophète. Someone who witches are ill-treating. When she wake up, she wants us to believe that she's a prophet. Si tu es oppressé, if you are oppressed, il y a le remède. There is the medicine. Tu renverses les idoles. You overthrow the idols. Tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. You request, you ask for the fullness of the Holy Spirit. Tu renverses les idoles. You overthrow the idols. Tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. And you ask for the fullness of the Holy Spirit. Sinon, otherwise, si on marchait selon certains rêves, si if on, we were people who walk according to some dreams, il n'y aurait pas de réunion ici. There would have not meetings here. Si vous avez des gens qui rêvent trop, mais sans discernement, il faut les aider rapidement. If you have people who used to have many dreams without any discernment, please help them quickly. Et vous verrez que ce genre de personnes, c'est quand il n'y a pas les frères qui prophétisent. Quand on veut les visions à la lumière, là, ils ne sont pas là. And you will see that this kind of people prophesy only when they are alone. When we need visions in the open space, we cannot see them. La Bible dit. The Bible says. Ne méprisez pas la prophétie. Do not despise the prophecy. Mais examinez toutes but choses. But check everything. Pour retenir ce qui est bon. To keep what is good. On n'avale pas tout. We don't swallow everything. Je dis ça par rapport au plan du diable. I'm telling this according to the plans of the devil. Dieu révèle les choses pour qu'on puisse détruire le royaume du diable. God reveals things so that we may be able to destroy the kingdom of the devil. Et le frère Zach a écrit. And brother Zach wrote. Il dit que ton frère n'est pas ton ennemi. Your brother is not your enemy. C'est un plan de Satan. It is a plan of Satan. Que au lieu que tu vois les vrais ennemis. That instead of seeing the true enemies, ce sont tes frères bien-aimés que toi tu vois. There are the beloved brothers that you see. Le but c'est quoi? What is the goal? C'est que tu les quittes et que tu retournes. For you to leave them. Tu retournes chez les catholiques. And you go back to Catholics. Dès que tu retournes, ces rêves-là finissent. As soon as you go back, your dreams stop. Discernez tout. Check everything. Que le diable ne te trompe pas. Let the devil not deceive you. Nous connaissons les desseins de Satan. We know the goals of Satan. Si on ment, if you are lying, si on rend un faux témoignage contre toi, if people lie or give a false testimony about you, il faut pardonner. Forgive it. Tu n'auras rien. You will have nothing.
tout ce qu'on dit sur toi qui est faux, Dieu va retourner ça en un parfum agréable. All that is said about you, which is false, God will make it a good perfume. C'est pour cette raison qu'il est dit. This is why it says. Nous sommes regardés comme mourants, mais nous sommes toujours vivants. We are vivants. Looked like dying, but we are always alive. Comme imposteurs, mais nous as sommes véridiques. But we are truthless. On dit c'est il est mauvais, mais quand les gens s'approchent, ils sont bénis, ils rentrent dire que non. Non, he's non. Bad, c'est la but vie. When people get c'est la close, vie même de Jésus là-bas. And they say no, it's Jesus' life that he has. Vous notez ceci. Write this down. Toutes les prières de protection sont des prières offensives. All the prayers for the protection are offensive prayers. Tous les enfants de Dieu sont censés connaître les desseins du diable. All the children of God are supposed to know all the purposes of the devil. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthians chapter 2. Verset 10 et 11. Verse 10 and 11. Écoutez. Listen. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Anyone you forgive, I also forgive. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. We are not unaware of the evil schemes. Ici là. Here. Paul écrit aux frères de Corinthe. Paul is written to the Corinthians. De pardonner à ce frère qui avait été excommunié pour avoir arraché la femme de son père. To forgive to this brother who was excommunicated for having taken the wife of his father. Il s'était repenti. He repented. Et les frères, Paul dit aux frères, pardonnez. And Paul is telling the brothers, si. Forgive him. Parce que vous savez que le diable veut qu'on le chasse en même temps. Because you know that the devil wants us to just chase him from our means. Et qu'il meure dans le péché. And he die in the sin. Donc, quand tu sais que le diable attend que le frère meure, qu'il ramasse. Là, tu l'exhortes bien, tu le soignes même bien. When you know that the devil is awaiting the brother to die in the sins and he will collect him, you just advise him and encourage him very well. Les jeunes pasteurs qui ne connaissent pas les desseins de Satan, ils prennent le gourdin. Oh, the young pastors who don't know the purposes of Satan will take the stick and beat him. Ils cassent sa tête. They break his head. Et le diable. Dès que le diable voit que tu es tombé, il quitte, il sait que tu es déjà mort, il s'en va. And as soon as the devil knows, who sees that you have fallen, he knows that you are already dead. He leaves you. Ceux qui connaissent les plans du diable traitent bien le dossier, insistent, prient, protègent, nettoient et arrachent. Those who know very well the purposes of the devil will treat the file very well. They will advise, encourage, and pray and protect and take it from the hands of Satan. David dit qu'il tuait les lions pour arracher les brebis que le lion voulait dévorer. David said that he killed the lions to take the sheep from the hands of the lions. Et il avait une technique. And he had a technique. Il enlève d'abord la brebis. He first removed the sheep. Il ne commence pas la guerre avec le lion. He did not start the war with the lion. Il arrache d'abord la brebis. He take the sheep. Et le lion s'est fâché donc parce qu'on a arraché sa nourriture. Il voulait quand il veut bondir, David arrête, il déchire, il tue, c'est fini. And the lion was angry because they have taken his food, want to jump and the devil tear it. Et il part avec sa brebis. And he goes
with a sheep. Ne perdons aucun frère. Let us not lose any brother. Nous connaissons le plan de Satan. We know the plans of Satan. Si tu diriges une assemblée, if you lead a church, a house church, ne permets pas que les êtres humains te dirigent. Do not allow human being lead you. Que les frères ne te trompent pas, chasse-le, chasse-le. Let no brother deceive you and tell you, cast him. Protège chase, chase tous him les out. Faibles. Protect all the weak ones. Avec une grande énergie. With a big, a great energy. Nous connaissons les plans de Satan. We know the plans of Satan. Le diable veut que tu abandonnes tous et il va les récupérer. The devil wants you to abandon all of them and he will collect them. Ne chasse aucun frère. Don't chase any brother. Laisse les gens s'excommunier eux-mêmes. Let people excommunicate themselves. De telle sorte que même leurs fesses même refusent de s'asseoir sur nos chaises. So that their own buttocks refuse to sit on our chairs. Là, le diable va dire à son armée, méfiez-vous de celui-là, il ne perd aucune brebis. And the devil will tell to his army, take a watch out and be careful about this one. He loses no sheep. Il connaît mon plan. He knows my plan. Celui-là, this one, il sait. He knows que mon plan c'est de venir voler. That my plan is to come and steal. Quand j'entre dans les bergeries de leur maître, c'est pour aller voler. When I enter the house of the master, I go and steal. Les frères qui s'égarent un peu dans les fausses doctrines. People who lose themselves in false doctrines. Ne les traitez pas avec violence. Non, non, allez doucement. Do not treat them violently. Doucement. Go slowly. Doucement, tu les encadres doucement. You. Doucement. You take off them. Alléluia. Amen. Et puis tu vois, ils sortent de la fausse doctrine. And you see them getting out from the false doctrine. Et tu rends grâce à Dieu. And you give thanks to God. Il dit, on ne paye pas la dîme. He said, but don't pay the tithe. Il attend que tu l'appelles pour dire que quitte l'église. He is waiting for you to call him and tell him, go out of the church. Tu le laisses. You leave him. Après, tu dis, ah, j'ai mal au pied. And after he said, oh, I have a pain in my on leg. On m'a prescrit une ordonnance. I have a medicine, an invoice. Tu prends la dîme des frères, tu achètes le remède, tu lui donnes. You take the tithe of the brothers, you buy the medicine and give it to him. Un jour, un ange va lui dire que mon ami, tu voles. Le regard, ton pied là, c'est les dîmes qui ont soigné. One day an angel will tell him, my brother, you are stealing. Look, your leg is the tithe of a brother. We have taken of it. I healed it. Et il reviendra avec des restitutions. And he will come back with some restitutions. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui croit qu'on ne paye pas la dîme, que c'est la loi? Lève la main. Is there someone in this hall who believes that we don't pay the tithe because it's the law? N'aie pas peur. On put va up te délivrer. Your hand. Do not be scared. Ce we'll deliver you. Est-ce qu'il y a une main là-bas? Do you have a hand up? Je sens qu'il y a quelqu'un. I feel that it's someone qui doit être délivré. Who must be delivered. Quand c'est comme ça, la personne décide que je veux mettre de l'ordre. When it's like this, the person decides that I will put order. Let's clap for Jesus. Parce que pendant quelques minutes, because ça a pesé sur sa tête. It weighs on his head. L'apôtre Pierre. Apostle Peter. Exhortez les anciens, voici ce qu'il dit. 1 Pierre 5, verset 8. 1 book of Peter, verse 5, chapter 5, verse 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les apôtres. Apostles. N'avaient pas oublié ça. Did not forget that. Le diable a un plan. The devil has a plan. Il faut détruire ça. That should be destroyed. Quand tu bâtis un mur. When you are building a wall. Tu dis, oh Seigneur, que tel frère ne soit pas dévoré. Que tel frère. Et tu commences par ceux qui sont à la frontière, qui partent jouer sur le territoire du diable. You start by those who are at the boundary. Who tu used protèges, to go and play on the territory of the devil. You protect them. Certains frères, leur manière de marcher les met en sécurité même.
Some brothers, the way they walk, put them in security. Mais il y en a qui jouent à la frontière. But there are some who play at the boundary. Il faut protéger. Faut protéger. You must protect. Faut protéger. You must protect. Que rien du camp de Satan ne touche à leur vie. Let nothing from the camp of Satan touch their life. Pendant les compositions, priez que les élèves ne trichent pas. Les protéger longtemps avant, longtemps avant. During the test, pray that the children don't cheat. You protect them long before. Les frères qui se présentent au concours, faites connaître vos noms. On vous protège longtemps avant le concours. Brothers who want to do examination, let us pray long before the day. Ça, ce sont des prières pour toucher l'ennemi dans son camp, qu'il ne sorte même pas de là pour venir te troubler. These are prayers to touch the enemies in his own camp. We don't let him the time to get out and come and find us. Le mariage. Wedding. Ce qu'on veut qu'il soit. What we want it to be. On demande ça maintenant, alors qu'on n'est même pas fiancé. We ask it now, while we are not even engaged. Tout projet, longtemps, faut protéger longtemps. Any project should be protected long before. Lors des voyages, dans la voiture, quand il y a une pierre, boum, tu dis Jésus, 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 Jésus. Ce n'est pas là, faut faire ça depuis. Il faut couvrir depuis. Longtemps, longtemps avant During le voyage. A trip, you should have protected the trip long before. C'est un danger même pendant que tu dors. On te dit que pendant que tu dormais, il y a eu telle secousse. There are some dangers. Donc, tu ne pouvais même pas prier. Which happened while you were sleeping, you could not pray. Tu prophétises la protection. You prophesize protection. Chaque membre du corps, chaque membre du corps. Each member of the body. Quand tu attends les enfants, tu commences à demander leur qualité, leur morale, leur type de cœur, longtemps. When you are waiting for children, you start asking for the quality, the kind of heart, long before. Tu les protèges des faux amis, des faux camarades, des enseignants mauvais. You protect them against false friends and mates. Les prières offensives. Offensive prayers. Très, très, très important. Very, very important. Pour toi-même, pour tes frères. For your brothers. Pour tes anciens. For your elders. Ici, chacun prie pour ses frères. Pas de rang. Pas de rang ecclésiastique. Pas de rang. Il n'y a pas de rang. Il n'y a pas d'ordre de préséance. There is no levels of a prayer. Each one pray for others. It's not that this is for the big ones and the small ones. There is no difference. Tiens-toi debout. Stand up. On va le pratiquer. We'll practice it. Protège systématiquement quelque chose du futur. Protège cette chose maintenant. Protect systematically something which is to come. Protect it now. Chacun va prier pour lui-même. Each one will pray for himself. Regarde l'avenir. Look at the future. Regarde dans tes projets. Look in your projects. Regarde dans ta vie. Look in your life. Qu'est-ce que l'ennemi peut gâter? What can the enemy destroy? Demain. Tomorrow. Ou après-demain. Or the day after. Protège ça maintenant. Protect it right now. Amen. Amen. Regarde dans le passé. Look in the past. Qu'est-ce que Satan a fait? What has the devil done? Détruis ça maintenant. Destroy it now.
Regarde ce qu'il a déjà causé comme dégâts. Look what he has done, like destruction. Brisez ça. And break it. Bannis ça. Banish it. Que tout ce qui a été détruit ne se reconstitue plus jamais. Let all that has been destroyed never be again. Que ce qui a été planté ne soit jamais déraciné. What has been planted should never be uprooted. Amen. Amen.